Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous avons posé notre Léo au barrage de l'Escourou. Et nous partons pour une balade d'environ 18 km pour faire le tour du lac de l'Escourou, puis la visite du petit village de Saint-Sulpice-d'Aimé et ensuite de Soumansac. Et nous reviendrons récupérer Léo. Allez, venez avec nous, c'est parti! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Le lac de l'Escourou est un lac artificiel destiné à réguler l'approvisionnement en eau de la rivière du Dropt. D'une superficie de 112 hectares, il sert de réservoir pour l'agriculture et il est très apprécié des pêcheurs. C'est un lieu idéal pour les balades bucoliques en famille. Un parcours balisé permet d'observer la vie du lac et les nombreux oiseaux. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau tout ce vert. Des verts verts, des verts foncés, des verts clairs, des verts jaunes, des verts fluo, des verts... que du vert. C'est bien ça, il y avait des cormorans ce matin. Suite à un ouragan, bécasseau roussé américain s'est posé sur le lac en septembre 2011. Thank you.
entre le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Et c'est un lac qui a été réalisé par l'homme dans les années 1990. Nous sommes à Saint-Sulpice-des-Mets, à l'entrée du village, et voilà sur quoi on tombe. Waouh ! Voici un touron, c'est une fontaine ou une source au débit plus ou moins important qui jaillit en général dans une grotte creusée par l'eau dans une couche de calcaire. La géologie du pays des Mets explique la présence de plusieurs de ces tourons. Ces tourons sont situés aux proximités de villages et ont pour la plupart fait l'objet d'aménagements comme des lavoirs ou des bassins. Voici l'église Saint-Sulpice. Elle a été bâtie à l'époque romaine, entre le Xe et XIIe siècle. Son portail date du XVIIe siècle. Thank you.
Voici l'église Notre-Dame de Soumansac, du XIIe siècle, mais considérablement remaniée au XIXe. La région de Soumansac a été façonnée par les eaux de la mer qui, en se retirant il y a des millions d'années, a laissé des terrains vallonnés propices à la polyculture. Sa situation élevée permet de jouir d'un magnifique panorama et même d'une vue qui peut s'étendre jusqu'aux Pyrénées à une certaine période de l'année. Le développement des vignobles a favorisé la qualité des vins de Soumansac depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Pays de passage entre la Garonne et la Dordogne, Soumansac est aussi un pays de frontières qui a connu au moins 8 rattachements différents pendant les guerres de 100 ans, tantôt au roi d'Angleterre, tantôt au roi de France. Et voilà, amis randonneurs, c'est terminé. Alors n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et abonnez-vous !